Le Tosa, ou Tosa, appelez-le comme vous voulez. Hein. Et oui, ça c'est ma voix, j'espère qu'il n'y a pas trop de soucis. Alors, brève présentation pour ceux qui ne le savent pas, le Tosa c'est un bus électrique, et non, ce n'est pas un trolleybus comme beaucoup de gens le pensent, qui se recharge à certains arrêts brièvement, afin de ne pas avoir besoin de porter une grosse batterie, et donc de pouvoir avoir une capacité presque identique au bus diesel, dit à moteur thermique, en circulation de nos jours. Pour commencer, nous allons d'abord un peu remonter dans le temps et expliquer un peu l'histoire du Tosa. Tout commença en 2013 lorsque TPG, l'Office de promotion des industries et des technologies, aussi connu sous le nom de OPI, les SIG et l'ABB forment un consortium pour un nouveau véhicule innovatif. Ils développent alors un prototype avec un véhicule de la marque Hess, numéro 1397. Il a été utilisé dans le cadre d'une ligne de démonstration, appelée Tosa, logiquement, pendant un an, de mai 2013 à mai 2014. Il a notamment servi de publicité au salon UITP qui se tenait en 2013 à Genève. Les quatre compagnies fondatrices de ce projet forment donc le nom de ce projet, Tosa, qui a été renommé plus tard en trolleybus optimisation du système d'alimentation. De base, la ligne 5 des TPG était destinée à être équipée de ces technologies, mais suite à quelques remises en question de la faisabilité de ce projet, la ligne 23, moins chargée et plus adaptée, a été désignée comme première ligne Tosa dans le canton de Genève en 2016. Jusqu'en 2016, le prototype est allé à Paris et à Berne pour des fins publicitaires, en espérant décrocher un nouveau contrat. Après cela, il a été exposé aux portes ouvertes des TPG, ainsi qu'à Palexpo en février 2018. Depuis lors, il est stationné dans le dépôt de la jonction, dans la colonne des pannes, ne lui promettant pas un avenir serein. En juin 2017, le premier bus de série Tosa, numéro 1271, a été présenté devant l'usine ABB de Turquie, avec une mise en service prévue en décembre de la même année. Deux véhicules ont été présentés lors de l'inauguration officielle, restée très secrète au public, le 5 décembre 2017. La mise en service officielle était prévue le 10 décembre 2017, lors du déploiement des nouveautés du réseau pour l'année 2018. Tout semble être beau, bien préparé, jusqu'à ce que la première potence de charge ne soit pas détectée par le soi-disant biberon. Ce n'est que lors du deuxième essai que le bus s'est mis à charger. Ensuite, suivirent quelques coupures d'électricité totale, les portes ouvertes restent bloquées, plus de lumière, plus rien, et finalement, quelques heures plus tard, une panne qui a coûté au Tosa 3 mois de retard. Enfin, le 12 mars 2018, trois véhicules furent mis en service régulier sur la 23, sans problème majeur. L'entièreté de la flotte prévue de 12 véhicules fut mise en service jusqu'à fin mars, certains n'ayant encore pas reçu de numéro de parc ou de livret à cet instant. Pendant les mois suivants, environ un seul bus diesel était engagé sur la 23 quotidiennement. Toutefois, les pannes des Tosa étaient encore fréquentes, ce qui entraînait plus régulièrement une affectation de bus diesel dans certains cas. La ligne 23 contient 6 stations de charge en direction de Carouge-Tours et 9 stations en direction de Aéroport P47. Les stations de charge au terminus ainsi qu'à l'aéroport permettent une charge plus longue, alors que les autres stations sont dites de type flash.
Il y a encore une station de charge à la Palexpo, mais elle n'a pas été utilisée lorsque la 23 faisait son terminus à Palexpo. Sur ce tableau, on peut voir l'utilisation des véhicules sur la 23, variant de 10 véhicules en heure de pointe du lundi au vendredi à 3 véhicules le dimanche. 12 véhicules de la marque ES sont utilisés, appelés Lightram 19 Tossa, numérotés de 1271 à 1282. Les véhicules 1271 et 1272 possèdent une livrée promotionnée pour le Tossa en soi, tandis que le 1273 arbore une livrée publicitaire pour ABB. La capacité de ces véhicules est de 133 passagers, dont 46 assis et 87 debout, et 2 espaces PM. Il est équipé de batteries lithium-ion de 88 kWh, censées durer environ 10 ans, qui se rechargent soit par le biberon aux stations flash, une tension de 400 volts courant alternatif et 600 kV-ampères, soit aux stations terminales, 400 volts AC, 436 kV-ampères, soit par prise à 400 volts AC et 50 kA. Il est également possible de recharger son téléphone à bord des véhicules ainsi que de se connecter au Wi-Fi gratuit des TPG. La longueur des véhicules est de 18,7 m, la largeur de 2,55 m et la hauteur de 3,50 m. La vitesse maximale des véhicules est de 80 km/h. Petite particularité, le Tossa genevois contient des caméras à la place des rétroviseurs classiques, ce qui donne un petit plus esthétique. Alors, quel futur pour le Tossa? La seule autre ville qui a opté pour la technologie Tossa est Nantes, qui a commandé 22 Tossa biarticulés pour leur ligne BHNS numéro 4, appelée Busway. Un des véhicules a été exposé devant Palexpo en mars 2019, durant le salon de l'auto. Il a été ensuite testé par les TPG sur une partie de la ligne 23 et a été utilisé par ABB pour un tournage de spot publicitaire pour le Tossa. À Genève, deux lignes sont prévues à être équipées de ces technologies, la nouvelle ligne 4 et la 22. La 4 reliera l'aéroport au nouveau quartier Mika, prévu depuis quelques années mais aucune trace de construction, à l'horizon 2022. Elle reprendra le parcours de l'actuelle ligne 5 entre l'aéroport et la gare, et à quelques modifications près, le parcours de la ligne 9 entre la gare et le Mika, proche du Petit Belair. La ligne 22 a déjà aujourd'hui un tronçon assez conséquent en commun avec la ligne 23, ce qui fait du sens pourquoi la convertir. La conversion en Tossa de la 22 est prévue entre 2022 et 2024.